Que de nouvelles séries en ce moment. On a récemment joué à Two Point Hospital, donc on va rester dans ce thème de l'hôpital. Project Hospital est sorti hier, on va voir ce que ça vaut. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle série, Project Hospital, qui est un jeu de gestion d'hôpital comme Two Point Hospital, sauf que il est beaucoup plus tourné simulation, hein, ça se voit ne serait-ce que dans les visuels, ça se voit que c'est très sérieux. Et notamment, contrairement à l'autre, eh bien, il y a du sang, il y a des vraies maladies, donc, bon après c'est pas hardcore non plus, hein, si jamais c'est quelque chose que vous n'aimez pas particulièrement, je pense pas que ça va vous choquer. Du coup, j'ai fait un petit sondage sur Twitter pour voir ce que vous vouliez, on pourrait créer un bac à sable, mais pour commencer, peut-être qu'on fera un bac à sable plus tard, on va commencer la campagne. Et, what? Il y a campagne 2 avant campagne 1? Logique. Alors, le jeu est sorti, je trouve qu'il y a quand même quelques petits bugs, notamment dans la fin, j'ai fait tous les tutos, à la fin du troisième, j'ai un perso qui a disparu, donc j'étais en mode, qu'est-ce que je fais? Et en fait, j'ai fini par me rendre compte qu'il y avait des patients qui attendaient, ils étaient juste invisibles. Pratique. Alors, bref, campagne 2, on va faire endetté, voir ce que ça donne. On va du coup avoir un hôpital dès le début, qui a priori n'aura pas beaucoup d'argent, donc il va falloir faire attention. Bonjour directeur, comment était ce cours de rafraîchissement? Donc ça c'est ce que j'ai fait. Vous l'avez bien compris, nous avons besoin de toutes vos compétences si nous voulons défier la société clinique délétère. Nous savons que vous avez travaillé pour les cliniques délétères et que vous les avez aidés à devenir les meilleurs. Mais c'est leur avidité qui vous a fait partir. Et comme vous, nous voulons donner aux gens les meilleurs soins possibles. Et avec votre aide, on pourra peut-être le faire. Bonjour directeur, on est dans le pétrin dans cet hôpital. Nos responsables ont obtenu un énorme prêt de la banque et se sont enfuis avec tout l'argent. Ah oui, j'ai 20 000. Ok, heureusement que j'ai toutes les pièces, hein, la vache. Nous soupçonnons qu'ils travaillaient pour une clinique délétère, mais ils ne veulent pas que nous réussissions, nanana. Rembourser, il faut rembourser. Donc si on n'arrive pas à rembourser, il faudra fermer l'hôpital. Donc non seulement il va falloir que je fasse tourner l'hôpital, mais il va falloir que j'ai un énorme excédent pour pouvoir rembourser le prêt, j'imagine. Puisque vous êtes nouveau, je vais pouvoir emprunter un peu plus, ok. On va essayer de ne pas emprunter quand même. Ok. Remplir les objectifs de notre sympathique compagnie d'assurance. Si vous les terminez tous, ils peuvent même envoyer d'autres patients. Ah, pas mal. La banque rembourser l'argent. Ok. Du coup, pour voir un petit peu. Alors, en termes de banque, on leur doit 160 000. Ah oui. Ouais, c'est ok, d'accord, c'est beaucoup. En termes de compagnie d'assurance, qu'est-ce qu'ils veulent? Objectif bonus, avoir un solde bancaire supérieur à zéro. Bah ça c'est bon. Ok, très bien. Et traiter 10 patients par jour. Ok. Mais là il n'y a aucune récompense, ok, très bien. Et 20 000 de subventions, c'est pas mal. Donc, comment est-ce que ça marche? On va recevoir des patients qui vont arriver et il va falloir les traiter. Hop, on va mettre ça comme ça. Voilà mon hôpital, est-ce que j'ai... Oh, what? Ah, c'est un grand hôpital en plus. Ok. Alors, voyons voir. On a là tous nos services différents. On a notamment le service d'urgence. Donc le service d'urgence, vous voyez que c'est quasiment tout le rez-de-chaussée. Vous avez donc ça, c'est simplement des couloirs et tout, très bien. On a pas de salle d'attente. Ah, regardez, là, ici, hop, vous voyez que là, en fait, ce couloir-là, il est séparé en une partie couloir et une partie salle d'attente où les gens sont installés. Ici, on a un accueil, pas mal, pour s'assurer que les gens sont bien dispatchés. À part ça, on a des médecins généralistes, là, on a, tout ce qui est en rouge, c'est pour le staff. Donc là, vous voyez, il y a un truc café, là, vous avez, c'est quoi ça? C'est laboratoire d'analyse, ok. On a un nouveau placard et tout machin, une autre salle de repos. Ça c'est pour les médecins, ça c'est pour les infirmiers. Là on a l'accueil d'urgence, donc ça c'est pour faire les premiers diagnostics et potentiellement genre mettre un bandage, des trucs comme ça, en attendant de les dispatcher. Parce qu'il va falloir faire un diagnostic avant de savoir où les envoyer. Cette salle-là c'est quoi par contre? Salle d'observation. Ah oui, ça c'est si jamais on n'arrive pas à déterminer le diagnostic, on peut l'envoyer là et en l'observant, peut-être qu'on a d'autres symptômes qui apparaîtront. Donc du coup, ça voilà, c'est notre service d'urgence, c'est là que les gens vont arriver au début. Ensuite, on a le service de... C'est quoi, c'est radiologie ça? Ouais, radiologie, ok, c'est tout en haut. Grande salle d'attente, là quelques salles pour ce personnel et on a deux... Ok, deux trucs de radio, très bien. Là, on a...
cardiologie qui est du coup ici, très bien. On a une seule pièce mais avec plusieurs emplacements, très bien, et vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent bosser là. Alors j'aime bien quand c'est le... j'aime bien utiliser les trucs, les pièces préfaites, parce que c'est assez relou à faire, et puis surtout que il y a plein d'objets, qu'on peut customiser les murs. À mon avis, bon, peut-être pas là, mais peut-être qu'on fera genre une campagne et qu'après on fera un truc en sandbox. Donc ouais, j'aime bien le faire, prendre les trucs automatiques. Vous voyez que là, je peux prendre voilà, des, genre un couloir automatique, etc. Par contre, le défaut, parce que sinon, vous voyez qu'en objet, voilà, tout ce que j'ai en objet, hein, ça va loin. Non, d'ailleurs, ça c'est... Ah oui, non, ça c'est qu'une catégorie. Là, j'en ai une autre, là, j'en ai encore une autre pour... Voilà. Donc ça peut aller très loin. C'est quoi ça? Ah oui, non, ça me change juste. Ok. Bref. Ah oui, si je peux peindre des trucs sur les murs. Ah, c'est pas mal ça. Ne serait-ce que moi pour me souvenir que ça, c'est de la, la chirurgie et tout. Bon, à réfléchir. Ouais, mais du coup, c'est tellement chargé. Il y a plein de trucs dans tous les sens. Donc, faut faire un peu attention. Ok. Et du coup, le dernier que j'ai, c'est orthopédie. Hein? Alors, orthopédie, j'en ai un peu ici, visiblement, et j'en ai là, mais ça, on n'a pas dit que c'était... Ah non, ok. Orthopédie, il fait beaucoup de... grande taille, ok. Très bien. Et vous voyez que après, donc là, pour vous expliquer, si on prend l'exemple de l'orthopédie, on a besoin d'un certain nombre de pièces. Vous voyez que là, j'imagine que j'ai besoin d'une de chaque. J'en ai plus, hein. Là, la certitude, on va le laisser en moyen, mais peut-être qu'à terme, on mettra en élevé. Donc ça, c'est la certitude du diagnostic, ça nous assure de ne pas faire un mauvais diagnostic. Médecin en chef, tiens, ça pourrait être intéressant. On verra, pour l'instant, on va le laisser. De l'autre côté, voilà le nombre de pièces qu'il faut et le type. Donc là, je suis bon. Le personnel de jour, le personnel de nuit. Donc là, vous voyez que mon hôpital peut tourner H24. Parce que j'ai assez de médecins, j'ai assez d'infirmières et tout. Si je clique sur les autres, vous voyez que tout fonctionne bien. Encore heureux, c'est eux qui m'ont installé. Et la radiologie, il n'y a pas besoin de staff. Ok, d'accord. Ok, du coup. Voyons voir. Si je descends... où sont mes patients ? Où est-ce que je peux voir les patients? Ça commence bien. Je trouve que... Ouais, il y a un petit souci parfois de... Pour s'en sortir. Alors, attendez, peut-être qu'il faut juste que j'accélère. Mais je crois pas, parce que j'avais cru voir là... Ça me dit qu'il y a 7 patients qui attendent. Ah! Ah! Ok. Donc, Julie Guérin. Va voir la réception. Ah, ok, donc elles sont seulement en train d'arriver. Et toi, va s'asseoir. Où es-tu? Ah oui, mais what? Qu'est-ce qu'elle fait à l'extérieur? Va s'asseoir en salle d'attente. Alors, attends. Est appelée. Ah, toi, t'as été appelée. Alors, du coup, plusieurs choix. Elle, si je vais la suivre, vous voyez qu'elle est en train de discuter avec une infirmière, un médecin? Je ne sais pas. Un médecin. 5 niveaux, c'est forcément un médecin. Et, oh la vache. Donc, du coup, là, c'est contrôlé par un médecin. Vous savez quoi? On va le faire contrôler nous. Donc, c'est nous qui allons poser les questions et tout. Donc là, actuellement, on sait vraiment pas ce qui se passe, comme vous pouvez le voir. Mais, donc, on sait qu'elle a de la fièvre. Donc, du coup, on se dit, bon, bah, il y a peut-être ça. On sait qu'il y a 4 symptômes cachés. Qu'est-ce qu'on va faire comme examen? Je pense qu'on va faire... une palpation... Ah, mesure de la température. Ah, mais non, je sais déjà qu'elle a de la fièvre. Mince. On va faire un palpation du cou. Je pense qu'on va faire ça. Donc là, on accepte. Donc les autres, quelqu'un d'autre s'en occupe. Hein. Vous voyez que, tac, là j'ai décidé de le faire moi-même, mais je peux aussi décider de faire que de la gestion et de les laisser, l'IA s'en occuper. Ouais, on va voir. 1% ici. Donc toujours en train de mesurer la température, ça sert à rien parce que j'ai aidé la fièvre, donc j'ai écouté, j'ai déconné. Palpation du cou. Ok, ça m'a rien donné du tout, donc on va faire... Ah, cavité buccale, ça c'est pas mal. Et une laryngoscopie, il y a moyen que ce sera... Ah, écoute-toi, Six, sinon. Laryngoscopie, ça me semble pas mal. Si t'as de la fièvre, enfin moi j'ai tendance à penser que ça va ensemble.
Non, ça, ça a pas marché. Bah, qu'est-ce que t'as, toi? C'est quoi? Alors, tension et cavité nasale. Non, toujours pas. La vache. Bah, pop, 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 pop. Écoute thoracique et examen physique. On va faire un examen total. Mais c'est fou, ça. Sexy. C'est incroyable qu'on n'arrive pas à trouver de truc. Ah, mais... ok. Donc là, ça y est, on a trouvé tous les symptômes. Grâce à... J'imagine que ça devait être... Donc peut-être commencer par l'examen physique dès le début. Parce que c'est ça qui m'a donné tout ça. Donc éruption cutanée et tout. Donc vous voyez que là, j'ai débloqué d'un coup tous les symptômes. Et avec ces symptômes-là, on sait à 100% que c'est zone. Donc ça pourrait être plusieurs trucs. Je pourrais même à la fin avoir tout débloqué ou avoir genre 50-50. Et là, bah, faut voir. Donc là, je peux dire oui, c'est du zona. Donc vous voyez que ça se traite aux urgences avec des antiviraux. Donc boum, on te donne tes antiviraux. Et quand il aura ça, on sera bon. Donc là, voilà, je lui prescris. Et au revoir. Bim. Le patient attend que vous planifiez un autre traitement que l'envoyez chez lui. On est bon. Toi, toi, tu es traité. Donc tu peux rentrer à la maison. Cool. Donc là, j'ai gagné 100$. Toi, t'en es où, toi? Ça fait pas des plombs que... Ah, t'es en train de te casser? Non. Alors, déjà, tiens, je vais regarder. Est-ce que il y a aucun autre... Ah, si, là, j'en ai plein des... J'en ai plein des patients ici. Viens voir. Toi, tu as des douleurs au coude. Donc voilà, paf. Je vais contrôler pour voir. En train de faire un examen physique. Et j'ai 6 symptômes cachés. Ok. Donc, boum, je les ai tous, sauf un, il en reste un, mais c'est bon, je sais que c'est un syndrome du tunnel cubital. Donc, boum, et on va te donner une coudière, c'est ce dont tu as besoin. Ah, éternuement, c'est un syndrome de quoi? Donc, ok, hop, tu peux entrer à la maison. Donc ça, c'est fait. Tiens, toi, t'es transporté depuis le traitement, donc... T'es arrivé ou... Toi, t'es hospitalisé et tu as à 100% de l'arthrose de la hanche. Ah. Sympa. Objectif complété. Hey, traiter 10 patients par jour. Cool. Donc là, j'ai gagné 20 000. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais direct aller ici et commencer à... J'ai à combien, là? J'ai 42 000. Je vais juste... Attends, what? Ah, ouais. Donc, je viens juste de donner 40 000, donc il me reste plus de 2600. Ouais, ok. Ceci dit, j'ai moins d'intérêt que je dois donner tout le temps, donc ça, c'est pas mal. Ambulance, ouais, très bien. Ça, les assurances. Ah, atteignez 65% de prestige à la fin de la journée. Où est-ce que je vois le prestige, c'est ça? Ah, 62. Ok. Il y a moyen de le monter à 65, cool. Vous avez l'air de bien vous en occuper. Il y a tout le monde qui s'en occupe là. Ça, toujours personne. Et ici... tiens, toi tu as appelé, j'ai envie de te faire personnellement contrôler. Donc on sait que tu as des vomissements, des fièvres, bah vous savez quoi, on va pas se refaire avoir, on va commencer par un examen physique. Donc assieds-toi sur la table, et on va voir ce que ça a donné. Ah, donc vous voyez, ah bah ok. Donc on avait trois trucs, et là on a débloqué tous les derniers, donc c'est bon. Alors sachant qu'il y a moyen, voilà, je peux envoyer quelqu'un en radio si je veux. Ça, souvent, c'est très très efficace, par contre, ça prend du temps. Alors, la varicelle, il te faut des antiviraux, et ensuite, on est bon. Donc, je sais pas si je peux cliquer maintenant. Bim, terminé. Ok, donc, finalement, je trouve c'est intéressant de le faire soi-même, mais je me demande si c'est pas plus efficace de laisser les médecins le faire, sachant que je vais juste peut-être... Voilà, je veux que vous ayez une certitude élevée. Et est-ce que j'ai envie de mettre un médecin en chef, tiens? Docteur confirmé, niveau 3, non, niveau 3, niveau 4, 4, 5, ah. Ah, alors 5, et là c'est quoi? 82, 17, 82, 15. Et ben vous savez quoi, on va mettre Dana Davis. Ah, pourquoi est-ce qu'elle a 3 sur 5 en bas? Ah, ça doit être son prestige. Bon, on va la mettre elle, parce que l'autre avait un truc vraiment très bas, elle avait que 1 sur 5. Ah, oh, vous avez vu, là, il y a quelqu'un qui a amené du sang.
Je ne sais pas d'où il vient. Est-ce que ça pourrait être si on monte... On n'a pas... Ah non, parce que moi j'avais un truc de chirurgie parfois. Toi, qu'est-ce que t'as pour venir ici? Ah, toi, on fait une radio parce que... Ah, oh, c'est intéressant, il y a plusieurs fractures de la jambe. Donc là, en cours de radio, j'ai envie de les contrôler moi-même. Même si là, en vrai, à mon avis, on va savoir exactement de quoi il s'agit. Radiographie des membres inférieurs, voilà. Ok. Contusion à la jambe. Boum. Ah, tu veux juste de la pommade? Bah tiens, allez où t'as... Tiens, prends de la pommade. Et... Oh, et après, on peut l'envoyer dans un autre hôpital, mais il n'y a pas de raison. Est-ce que quelqu'un peut s'en occuper, s'il vous plaît? J'ai juste besoin de vous, que vous lui filiez de la pommade. Ah, wow. Il y a besoin de le ramener ailleurs pour ça? Pour lui donner de la pommade, sérieux? Hop. Ok. On le remet dans un lit, très bien. Quelqu'un va venir le voir, voilà. Non, ah non. Oh. Bah vous savez quoi? Allez, zou, voilà, je le laisse contrôler par les médecins parce que visiblement là il n'y a plus rien à faire, il y a juste à attendre. Et globalement, il y a pas mal de ça, juste s'assurer que tous les services vont bien. Hop. D'ailleurs, je me demande si. Là, je peux pas mettre un médecin en chef là. Ok. Toi. Ah. 3 et 3. Et ben toi, t'as une meilleure réputation donc on va te mettre toi. Et ici. Voilà, on a mis John White. Vous savez quoi? Vous aussi, je veux que vous ayez une certitude élevée. Ok. Du coup. Où est-ce que je fais pour sortir d'ici? Il y a des trucs qui m'énervent dans le jeu. Genre là, je sais... Ah si, je clique là-dessus. Voilà. Là, je suis... Donc, événements... Oh, il y a des événements qui se déverrouillent lorsque vous avez un outil sur tous les départements. Ah! Tous les départements, d'accord. Donc là, ah, oui, il m'en manque encore 4. Donc, c'est pas pour tout de suite. Là, il me faut 65% et je suis actuellement à 60... Ah, bah 75, d'accord. Donc, il faut juste attendre la fin de la journée et ça, j'aurai cet objectif-là. C'est cool. Et vous voyez que je gagne de l'argent. Peut-être pas énormément, mais j'en gagne un petit peu. Si on regarde les stats aussi, en termes de personnes... Attends, on a 60 mecs dans... Ok. 60... 60 employés pour 49 patients. C'est pas oufissime. D'ailleurs, comment ça se fait que j'en ai 45 qui attendent, là? Et 4 qui sont traités. Ouais. Là, visiblement, par contre, ça veut dire que tout le monde a été traité, tout le temps, dernier temps. Traité 18. Ok. Et là, je pourrais... Ah ouais, d'accord. Elle, est... je sais pas pourquoi, mais Life Goes On ne m'envoie personne. Par contre, là... ah, Limited m'envoie beaucoup. 30 et 2 dans des ambulances, ok. On en est où de nos patients? Je trouve ça toujours compliqué de trouver les patients, mais normalement... Non, c'est pas ici. Je sais pas. Ouais, il est pas très intuitif, en fait, comme jeu. Voilà, j'en ai certains qui sont assis. Genre, toi. Blessure au pied, fracture... Alors, on sait pas s'il y a une fracture, une contusion. Eh bien... Je pense que je vais faire un diagnostic... Voilà. Différentiel. Parce que, pour le coup, ça me semble beaucoup de faire une radio pour elle. Du coup, je m'en rends pas encore compte. Enfin, si on construit un hôpital, c'est marrant. Parce que t'as toute la partie construction. Si par contre, on a un hôpital pré-construit comme ça, finalement, c'est purement de la gestion. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas de... De gestion un par un des patients vu qu'ils le font eux-mêmes. Bon, vous me direz, Two Point Hospital c'était pareil. Alors toi on a rien du tout avec toi, alors hop, on va le contrôler. Donc on sait que tu as un gonflement. Ouais, ça nous aide pas beaucoup. On peut peut-être, bah on va faire un examen physique, c'est quand même le truc ultime ça. Mais ça prend, ah ça prend du temps, ça m'a pas tout donné. Ah ouais, pas tout donné du tout. Radiographie, ah. De la tête, non, mais du torse. Radiographie du torse, peut-être, ça pourrait être intéressant. Quoique. Rougeur, douleur, gonflement. On va peut-être. Écoutez, on va tester ça, à mon avis, ça va pas prendre beaucoup de temps. Ok, ça a rien donné. Diagnostic différentiel, ça se tente.
Non. Ok. Eh bien, ah, ceci dit, vous voyez que maintenant on a plus. Ah si, on a toujours la poitrine, pourquoi est-ce qu'il ne me le propose pas? Je vois beaucoup de bras, donc on va faire radiographie des membres supérieurs et contrôler, là. Ok. Vous savez quoi, on va accélérer le temps pour finir la première journée, j'ai envie de réussir la mission. Il est quelle heure? Il est 16h30. Et si on monte en radiographie... Elle y est justement. Et... Ça nous a pas aidé, c'est sérieux? Bah... Bah ok, bah membre inférieur, je vois pas ce qu'il y a à faire d'autre. Vache, ok. Si jamais ça ne marche pas, il faudra la mettre en observation, je crois. Ah ouais, donc là, il n'y a rien d'autre. Faudrait faire des trucs techniciens indisponibles. Ça de scanner, ok, nanana. Ceci dit, moi, je peux la déplacer pour l'envoyer vers... L'ort... Bah non, je sais. Ok, vous savez quoi, je vais les laisser la contrôler parce que je vois pas trop ce que je dois faire. Ceci dit, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un... Non, là, tout a l'air de fonctionner pourtant. Alors là, j'ai tous mes employés de jour qui partent, mes employés de nuit qui arrivent. Et ça me dit, le service est maintenant terminé. Fermé. Ok, tous ceux-là, ils sont partis, on dirait. D'accord. Huh. Donc là, j'imagine qu'en fait, on reçoit pas de nouveaux patients. Ouais, bah pourquoi? On devrait pouvoir recevoir des patients la nuit aussi. Et minuit, ok, cool. Donc j'ai complété l'objectif, 65%, sachant que j'étais descendu à 67%, hein, donc heureusement. 25 000, ce qui me sauve parce que j'étais dans le négatif. Maintenant il faut que j'ouvre un département de chirurgie clinique. Oh, la chirurgie clinique, elle est relou. Mais on a la place pour le faire, donc peut-être par ici, quelque chose comme ça. Donc ça, je vous propose de le faire dans le prochain épisode, où ça, en fait, vous voyez que ici on a ce département-là. Et vous souvenez que je vous montrais tous les checks là. Bah là, il n'y a absolument pas de check. Donc notamment, il nous manque une salle d'attente et un cabinet de chirurgie général. Enfin... Ouais, si, je suis étonné qu'ils me mettent 0 en vert, parce que pour moi, ça veut dire que c'est pas bon. Notamment, bon, le cabinet de chirurgie général, c'est évident qu'il nous le faut absolument. Cabinet d'attente, visiblement, il nous le faut, même si c'est en vert. Vert, normalement, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire. Et là, de ce côté-là, pour ça, c'est pour la partie clinique, pour la partie hospitalisation, vous avez salle de veille pour les médecins, cabinet d'infirmière pour les infirmières. Donc là, c'est là où ils vont rester en attendant qu'on ait besoin d'eux dans une pièce. Unité de diagnostic qui est important. Service régulier et unité de soins continu, c'est... Bah, en gros, c'est leur chambre en attendant qu'on s'occupe d'eux. Quand les patients attendent, et forcément en soins continus, c'est quand ils sont en danger. Bloc opératoire, unité de cardiologie, unité d'échographie, ça c'est super important pour les soins. Et après, vous voyez qu'il me faut 3 médecins, 3 infirmières, etc., etc. Et tant que je n'ai pas tout ça, ce ne sera pas fonctionnel. Du coup, ça, ce sera notre objectif pour le prochain épisode, ce qui vous permettra également de voir comment on construit, parce que pour l'instant, finalement, on a géré l'hôpital, mais on ne l'a pas construit. Donc ça sera assez cool, je pense qu'on pourra faire... Ça prend assez de place, donc je pense qu'on mettra peut-être ça dans toute cette partie-là. On verra bien comment ça arrange. En tout cas, voilà, merci à tous d'avoir suivi, j'espère que cette nouvelle série va vous plaire, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Bye bye.